Oh là et bon comeback sur Anima Gaming FR et sur Diddy Kong Racing pour ce jeu de l'enfer. Alors comme le prévenu, j'ai fait les parcours avec toutes les petites mornilles à la con. Et du coup on vient réaffronter le boss une deuxième fois hein, qui est au-dessus. Oh! Oh bon bah ouais bon bah c'est foutu, on va pas essayer plus loin. Qui risque de mettre mes nerfs à rude épreuve? Oh là 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 là. Ça commence bien. Putain, y a pas moyen de passer devant celui-là, y a vraiment aucun moyen. Après lui, il n'y avait pas un truc en mode en sautant et tout. Avec les boosts, faudra que j'essaye si on peut pas garder la vitesse avec les boosts, je sais plus quoi. Attends, si je reste appuyé, lui, ça allait pas plus vite. Attends, on va voir. Ah, j'ai l'impression de me traîner le cul. Je l'ai touché? Je l'ai pas touché. Eux, ils m'ont touché. Ça, c'est fait. Oh! Ok, donc ici avec le boost, il y a moyen de bien rattraper quand même. Les missiles, on s'en fout. Les missiles, on s'en fout. Ok, non, ça se tente. Ok, il faut plus jouer les boosts, à mon avis, que les missiles. Putain, mais ce pays, il part vraiment en couille, hein. Entre le président qui en a plus rien à foutre, qui est en train de constamment baiser le peuple, et les gens de manière générale, même quand il y a des trucs qui peuvent être intéressants, ils font les cons. Je sais pas, il y a une autoroute qui va se construire. Ouais, manifestation, allons bloquer. Mais c'est quoi ce délire à un moment? Oui, ça va être une autoroute, oui, ça va être privé, oui, ça va être payant. Mais vous êtes déjà, s'il y a une nouvelle route, vous n'êtes pas obligé de la prendre. Ah, ça, déjà, tu vois, ça peut choquer plus d'une personne. Vous pouvez faire selon votre bon vouloir, si vous n'êtes pas des trous de balles, donc en un sens ça change rien, mais en plus ça va désengorger les nationales. C'est pour ça que je comprends pas que les gens ils sont contre. Ok, c'est une autoroute, ça va être privé, mais à un moment ça va libérer un petit peu les autres routes. Donc le matin il y aura moins de bouchons, ça devrait être une bonne chose. Pourquoi les gens ils sont constamment cons parfois, j'ai l'impression. La dernière fois, il voulait. Merde. Bon, bah, là, si j'ai rien. Il voulait se battre pour un trou, là, qui est censé être une bassine, qui est censé aider les agriculteurs, donc, en un sens, leur vie, hein. Faut bien qu'ils bouffent, ces crétins. Mais non, tu vois, parce que l'eau ne descend pas jusqu'en bas de la vallée, il faudrait niquer les agriculteurs, mais. À un moment, faut arrêter d'être débile. Oh, ben, de Dieu, je te colle au cul, mon gars, je te colle au cul. Sur la droite, il me semble, et boost sur la gauche après. Oh, trop, ouais, c'était un peu fou, j'avoue. Et là, merde, il me faut le boost. Ah, ouais, mais du coup, ah non, j'ai pris un mur invisible en l'air. Oh, l'injustice! Ouais, là, je pourrais. Attends, il reste peut-être encore un missile. Non, ouais, trop fini le tour là. Ce virage est trop chou. Mais il y a des gens cons. C'est comme là. Enfin, je sais pas si elle a pas fait ça pour faire le buzz ou quoi que ce soit. Mais une humoriste, une meuf, j'ai oublié son nom, qui a refusé de participer à LOL. Son argument, je ne me vois pas gagner autant d'argent pour un seul jour. Parce qu'elle était payée 200 000 euros la journée en fait. Bah pour une journée. Mais t'as envie de dire, mais c'est quoi cet argument de merde? Ok, c'est indécent parfois de gagner beaucoup d'argent et tout, on peut se dire c'est pas mérité et tout. Mais au pire, si tu penses que c'est pas mérité, refile-le à une. Faut que j'arrête de le tirer là. Refile-le à une association. En une journée, t'aurais pu filer 200 000 euros à une asso. Ah bah non, je me vois pas gagner ça. Bah voilà, grosse conne. Ouais, y a vraiment des gens, ils sont abrutis. Je suis désolé, y a des abrutis. Tant qu'il m'écrase pas, lui il a pas l'air de m'écraser, ça a l'air bien, il a l'air plus de me pousser qu'autre chose.
Vas-y, au pire, on va essayer d'avoir les deux. Voilà, comme ça fait téléguider. Et toc, et cette fois, on attend d'être en bas avant d'activer le boost. Du genre là. Comme ça, j'en ai un deuxième, nickel. Et juste si on réussit bien ce virage, qu'on cogne pas trop un mur, qu'on le fait pas trop petit, ça devrait bien aller. Ok. Pas d'arbre, tout droit, allez go. Normalement ça passe. Mais après, faut dire ce qui est, hein, comme je vous dis, niveau est-ce qu'elle s'est pas fait une sorte de bad buzz qui fait un buzz? Parce que niveau de notoriété, là ça fait en 3 jours, il y a eu 45 articles sur elle. Mais en un sens, je suis désolé, c'est juste une honte. Surtout que même elle arrête pas de dire ah, je suis militante pour les assos féministes, nanani, nanana, je suis pro-féministe. Tu vois, on parle bien sûr de ce genre d'humoriste féminin aussi. Je suis désolé, hein, mais. Florence Foresti est extraordinaire. Il peut y avoir de très bonnes humoristes féminines, mais à un moment, je suis désolé, tu regardes toute cette nouvelle génération d'humoristes féminines, c'est des femmes qui font des blagues pour des femmes et forcément avec des sujets de femmes. Tu vois, à chaque fois tu les entends, c'est dingue. Il pourrait y avoir, allez, on va dire, 10 humoristes féminins. Sur les 10 humoristes féminins, tu peux être sûr que 9 vont faire un sketch sur les règles et les poils. Mais au bout d'un moment, c'est bon, on a compris. Vous imaginez les mecs qui tourneraient constamment en boucle sur les mêmes sketchs? À un moment, on leur dirait, c'est bon, ferme ta gueule. C'est pour ça, elle est aussi, elle fait partie de ces gens qui allaient au César. Ah, je me suis foutu à poil avec des tampons sur les oreilles, en rouge et tout. Ah, bah, je dénonce, hein, bah. Non, t'es juste dégueulasse, on en a rien à foutre. Ce genre de femme, à tous les coups, qui doit croire que quand elle est rentrée chez elle, là, il y a des femmes qui se sont pas fait battre parce que y a des hommes qui ont vu un sketch. Mais non. Bah quand on arrive à un militantisme qui est là uniquement pour choquer, c'est quoi ça? Quoi, je sais pas ce que c'est ça. Du coup, il devrait pas y avoir un monde là, si monde là, monde 3. Bah, du coup, ça tombe, la difficulté va baisser d'un coup. Et donc, le monde des aéroglisseurs. Il n'y avait pas un monde. Ah, c'est peut-être un monde des avions en fait à la fin. On verra. Well Bay! Well, c'est pas baleine? La baie des baleines? Ah bah, en plus, il y a une baleine, oui, c'est logique. Il me semble qu'il y a de fortes chances. Bon, je suis bien branché. Oh, ça a l'air de laguer. Par contre, les effets de l'eau ont l'air bien vénères. Oui, on passe dans le bateau et tout! Les souvenirs, ça, je me rappelle! Ok, ça, c'est un saut, tu pouvais grimper. Pollueur! Le salopio, il jette de l'encre dans la mer! Il faut le turbo aussi pour aller sur la même. Peut-être qu'il fallait le turbo ou je sais pas quoi. Attends, on va essayer. Ah non, ça passe. Je sais pas si j'ai réussi à esquiver la tache d'encre ou si ça l'a pas pris parce que c'était moi. Il me semble que tu peux prendre aussi dans la gueule. On reprend la baleine. Ah! Wouhou! Pas de collision, tant mieux. Tiens, du coup, j'aurais mis une de ces avances. Fais-moi les mains, les mecs! Mais du coup, faudra que j'aille voir quand même juste par curiosité. Est-ce que c'était juste un remake sur DS? De toute façon, j'ai pas de DS, j'ai pas le jeu. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait des émulateurs DS. Et j'essaierai pas, vu que là, ce serait pas légal. Mais est-ce que c'était juste un remake ou est-ce qu'il y a eu des nouveaux trucs? Tout. Alors celui-là, ça me dit moins, mais apparemment il y a un passage sur le côté.
Ça va être chiant pour les coins, à mon avis, ça va être pour les coins qui vont faire ça. Voilà, voilà, ok, faut voir. Je t'ai vu, Conquerax, n'essaye même pas, salopio. Oh, salopio. Oh, ok, apparemment, on peut monter en haut. Ok, bon, c'était peut-être pas le bon endroit, mais c'est pour sauver, à mon avis. Vas-y, le 10 missile, le 10 missile. Allez les gars, on va faire un ménage. Ouch! Ah, ça suffit. Tiens, on va le GC. Je vois, il y a tout le monde qui le prend quand même. Je vois, il y a les boosters. Ouais. Pour avancer. Toc, 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 toc. Tiens, Banjo! Toujours Conker en face. Saleté d'écureuil. Il n'y aurait pas eu de chat, ça aurait été eux, les futurs dominateurs du monde. Les saloperies. Un missile téléguidé, il est tout seul. What? Non, ça c'est pas cool. Bon, je sais plus pourquoi, mais quelque chose me dit d'aller vers le boost. Ouais, tout le monde va vers le boost. Allons vers le boost. Ah, salaud! Par contre, je sais plus si, comme Mario Kart, merde, il y a une animation en mode tu sais quand t'as touché ou pas. Je sais pas. I am Buster! Non! Ça, c'est comme ça qu'on peut se faire. Oh là là, il y avait un petit passage secret vu. Oh! Il m'a fait ça? Sérieux, à la fin? Oh la baltringue, oh la vengeance. Ah non, mais au moment où je le vois, comment tu veux que je sache? Salaud! Bon, on fait plus d'erreurs. Tout a été calculé. Wesh, les ministres, arrêtez de fabuler. Quoi, Archive? Ah non, oui, Snaped. J'allais dire pourquoi d'un coup je lève les yeux et je vois Archive de la police. Depuis quand en France on passe des archives de la police? D'ailleurs, j'étais content hier. Je suis retombé sur. Bah, je vous ai dit, il y avait un groupe de trois Kurdes que j'aimais bien en fait, qui venaient très souvent bas. Ok, faut vraiment le prendre avant. Ouais, c'est foutu. Et il y en a un qui s'est barré sur Rennes, du coup, bah, je pensais qu'ils allaient plus revenir, finalement, ils reviennent. Bah, hier, justement, j'ai mis une branlée au jeu aussi. Bah, c'est dingue, le 4-21, je le dirai toujours, une fois de plus. Hier, merde, on a essayé d'apprendre le jeu à un pote. Et bien sûr, on n'a pas triché, hein, toutes les règles et tout, officielles, on lui met même les scores devant et tout. Tout se passe bien. Et ben, comme d'hab, il a fait deux parties, il a perdu deux fois. Les nouveaux joueurs perdent toujours au 4-21, c'est dingue. Hein. Et c'est pour ça que je l'ai massacré deux fois avec son copain. Enfin, son copain, oui, il gagne aussi, hein. On le massacrait tous les deux fois. Et finalement, on a terminé en mode, vas-y, on en fait une à deux pour se départager, on va voir qui est le plus châteux. Ce qui fait que hier, on pourrait dire que j'ai bouffé du Moyen-Oriental, de l'Asiatique. Donc on pourrait dire que j'ai été raciste. Non mais c'est des bons copains depuis des années, hein, je dis ça. On est bien d'accord que c'est pour la blague. Oh. Non, 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 non. Justement, hier, je sais pas pourquoi, le sujet principal avec eux, c'était quand même. Comment dire, la justice à deux vitesses et tout. Notamment, il parlait de l'affaire Depardieu, nanani, nanana, le gars. Après, c'est compliqué ce genre d'affaire parce que, avec Depardieu, déjà, bon, il y a l'icône, déjà. Mais bon, ça ne pardonne rien. Le fait de l'époque, c'était une autre époque, faut le dire aussi. Merde, merde, merde. Ah merde, oh, j'aurais pas dû. C'était une autre époque, hein, faut dire ce qui est. Même en France,
La femme était, il faut dire, un peu potiche objet, quoi. Donc effectivement, elles étaient un peu moins bien traitées à l'époque. On va dire une main aux fesses, à l'époque c'était plus une rigolade qu'aujourd'hui, c'est une agression sexuelle. Vous voyez? Donc il y a déjà ça. Et puis surtout, aujourd'hui, il est plus russe, donc je sais pas en fait qui le poursuit et qu'est-ce qu'il risque. Enfin, il est plus vraiment français, il est en Russie le gars. Donc effectivement, pour lui, il va peut-être y avoir une justice à double vitesse. Mais à un moment, je lui dis aussi, regarde certaines affaires où justement il y a des Français qui ont fait les cons. Oh. Et bah, très souvent, quand ils sont connus aussi, parfois il y a des juges qui vont dire, bah vas-y, on va lui mettre tarif, on va faire de lui un exemple, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment un avantage et tout? C'est pour ça, à un moment, on se renseignait même par rapport. J'avais d'autres potes, qui ont des connaissances et tout, et de la culture aussi. À un moment, j'essayais de trouver, des histoires comparables, mais c'est vrai que j'en trouvais pas. Même DSK, à un moment, je dis, bah, comment ça s'est terminé? Je me rappelle plus, pour lui, c'était quoi son jugement et tout. Mais c'est vrai que c'était une histoire avec, en gros, des Américains, et il avait racheté sa liberté, quoi. Il a passé un contrat avec les gens, quoi. Il avait effectivement, là il y avait eu double vitesse. Bah, s'il l'a racheté, oui, il y a eu double vitesse. Ouais, là c'est de prendre le raccourci, à mon avis. Je crois qu'il faut le tenter, hein, il faut le tenter. Non. Après, je me dis, non, mais allez, faut arrêter les conneries là. Allez, allez, allez. Voilà. Je suis baisé, je suis baisé, je suis baisé. Ah, mais Conqueror! De toute façon, rien que dans le nom, c'est pas un écureuil. Écureuil, c'est squirrel, normalement, c'est pas rat. Espèce de putain de rongeur de sel. Le gars qui pète un câble. Toute façon, ça aussi, ça transmet la rage. Hein? C'est vrai, quel est le rongeur qui est le plus maladif? Est-ce que l'écureuil est pire que le rat ou pas? Telle est la question. Oh, la dernière fois, on m'a envoyé une vidéo d'un renard atteint de la rage. Ça fait tellement mal au cœur. Mais surtout, n'essayez pas d'aider ce genre d'animaux ou quoi que ce soit. Hein. Parce que non seulement, n'oubliez pas, c'est transmissible à l'homme. Et surtout, enfin, c'est très dangereux. Ils ont plus toute leur tête quand ils sont comme ça, ces créatures-là, en fait. Faut bien se le dire. Hein. Donc du coup, bah, généralement, la seule chose à faire, limite, bon, ça arrive pas mal en Amérique, tout ça, mais c'est abattre avec une balle, hein. Faut même pas essayer. Parce que très souvent, en fait, on les voit, et comment dire, ils ont l'air de faire des crises d'épilepsie, avec de la mousse au bord de la bouche, tout ça. Donc il y a des gens, ils se disent parfois, c'est la chaleur, ils sont assoiffés, ou je ne sais quoi. Putain, en fait, si juste j'arrête d'accélérer, ça passe tout seul en fait. Ok. Mais non, en fait, ils sont juste en train de souffrir et il n'y a que la mort qui les attend, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est bien quand il y a beaucoup de monde, ça fait plein de sujets intéressants. C'est comme, à un moment, j'ai eu un doute. Bon, finalement, on est allé vérifier, c'était pas tout à fait vrai. Merde, 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 merde. Mais en mode, à un moment, des filles ont parlé. Enfin, je sais plus. Il y en a une qui avait dit, ah bah tiens, ça c'est vrai. Allez, accélère, accélère. Non! Non! Mais en mode, je sais plus. En mode, elle voit tout vert, nanani. Et je la regarde comme ça, je fais, bah t'es daltonienne comme ça. Et en fait, je sais pas pourquoi, elle m'a sorti, un truc en mode. Non, mais les femmes ne peuvent pas devenir daltoniennes. Du coup, je me suis. Ah bon? Enfin, je trouve ça bizarre, hein. C'est pour ça que je suis allé me renseigner et tout. Je me suis dit, quand même, on est humain. Effectivement, l'homme et la femme sont différents. Mais après, ça aurait pu être possible. Hein. Peut-être que des femmes n'auraient pas pu naître daltoniennes. Et finalement, en fait, non, c'est plus une prédominance chez les hommes. Mais en gros, on avait regardé, je crois que c'est 8% des hommes, qui sont daltoniens.
pour 1% des femmes. Donc il y a moins de chances quand t'es une femme d'être daltonienne. Mais oui, ça peut quand même. Enfin, une femme peut quand même devenir daltonienne. C'est pour ça, à un moment, et justement, en même temps qu'on recherchait sur Internet, parce que vu que j'ai pas de téléphone avec Internet, moi en général, je demande aux gens un petit peu aux alentours. Et justement, il y a un gars qui était là qui disait non, mais moi j'ai une amie qui est daltonienne. Donc effectivement, ça aurait été vraiment bizarre que non, quoi. Et tu peux bien le prendre normalement, allez hop. Parce que c'est des trucs tout cons, hein. Après, ça c'est un peu plus connu aujourd'hui et tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on disait le cancer du sein, c'est que chez les femmes. Non, un mec peut avoir un cancer du sein, c'est moins répandu, mais il y a des cancers du sein chez les hommes. Alors qu'il y en a beaucoup, ils t'auraient dit, ouais, non, ça c'est un truc de femme. Ah, c'est dingue, il y en a, ils sont toujours dans les virages, il n'y a pas moyen de les attraper. Hein. Pour faire des dérapages fifou. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu hier? Tiens, hier c'était un documentaire sur les crabes. J'ai vu qu'il y avait des crabes invasifs qui viennent d'arriver en France et en Europe. Donc invasif, hein, dangereux normalement pour l'écosystème, pour ceux qui ne savent pas. Parce que putain, probablement qu'ils bouffent tout, mais pourquoi c'est toujours au dernier? Toujours, ça me rappelle l'autre course la dernière fois, là où il fallait passer sur le petit raccourci sur la glace. Les deux premiers tours, ça passe constamment, le dernier tour, jamais. Jamais. C'est dingue! Mais oui, des crabes bleus apparemment comestibles aussi. Parce que oui, bien sûr, tous les animaux ne sont pas comestibles, hein, mais celui-là, il l'est. Et en mode, c'est un truc qui serait américain. Et qui est vachement agressif. Donc en fait, non seulement, bien sûr, dans tous les biomes, vous le mettez dans un écosystème, il peut bouffer ou détruire la plupart des autres créatures, donc c'est pas une bonne chose. Mais même pour la pêche, en fait, c'est un des rares animaux qui arrive à couper les filets de pêche tellement il est puissant avec ses pinces. Les autres crabes, ils n'y arrivent pas, mais celui-là, oui. Et c'est ça qui emmerde aussi un petit peu beaucoup les pêcheurs. Mais c'est bizarre parce que c'est censé être une espèce invasive et tout, mais les Américains, ils aiment tellement ce crabe qu'ils le surconsomment, en fait, ils font de la surpêche. Donc finalement, peut-être qu'on a trouvé une nouvelle espèce qui a été importée, qui va se développer comme des malades en France et qui sera revendue derrière. Hein. Si ça peut faire une nouvelle source financière, ça peut être cool. Hein. Ta-ta-ta-ta-ta. Mais c'est vrai que nous, on est moins connus pour ça, langoustes, homards, lobsters, comme ils. Eux, ils ont carrément des lignes de restaurants en rapport avec ça, quoi. C'est vrai que j'ai déjà vu des restaurants, là où je vais, tout ça, qui proposaient en plat du jour du homard ou des trucs comme ça, d'un point de vue exceptionnel. Mais un restaurant où je me dirais, tiens, je vais aller manger. J'ai du homard, le troisième, bien sûr, allez, 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 allez. Mais en fait, j'aurais jamais dû prendre le boost, là. Pour une fois que j'arrive à prendre le boost, quel con, mais quel con. Oh, j'ai l'impression que ça fait déjà une éternité. 24 minutes. Bon, après, 24 minutes pour 3 courses aussi, hein, c'est. Merde, trop tard, ouais, j'aurais dû relancer tout de suite. Et je veux pas de vegan dans les commentaires en mode oh, moi j'ai des crabes, c'est pas bien, nanana. Espèce invasive. Non, mais je me rappelle, il y a encore pas si longtemps que ça. C'était quoi, merde. Les grenouilles taureaux là, ou. Je sais plus comment elles s'appellent, c'est. C'est des grosses grenouilles très agressives
qui combattent d'ailleurs, elles se battent entre elles. Et en mode. Vas-y, vu que là c'est le premier tour, je le tente, on s'en fout. Toc toc toc, même avec le boost. Mais en gros, effectivement, c'est en mode si vous voulez sauver cette espèce, vous allez en détruire des dizaines. Parce que attention, là on parle de crapauds qui bouffaient des mulots, des rongeurs, tout ce qui était insectes et en grosse quantité, hein. Bah, c'est simple, en général, là où elles s'installent, elles deviennent dominantes dans l'écosystème, quoi. Cette fois j'ai de l'avance sur ce trou de balle. Si j'arrive à prendre tous les boosts, il devrait pas pouvoir me rattraper quand même. Téléguidé au cas où. Nanana. Mais du coup, faudrait vraiment que je regarde qui est le premier à être sorti. Mario Kart ou Diddy Kong Racing? Pas le boost, pas le boost, pas le boost. En douceur, vas-y, vas-y, vas-y. Fonce, fonce, fonce. Bien joué. Ta-da-da-da-da-da. Non, 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 non. Du coup, normalement, encore deux boss, deux portées, un boss. D'ailleurs, c'est vrai, attends, merde, je suis pas allé voir dans l'autre truc. Du coup, ça avait ouvert quelque chose, non, les time. Et j'ai pas trouvé les clés ici, c'est vrai. Merde alors. Ça, c'est quoi, ça, c'est quoi? C'est pas la sortie, ça. Mais... Bon, on va jouer normalement, on verra ça après. Pirate Lagoon. Oh, d'où j'ai raté là? D'où Jésus? Oh, ça lag. Ok, donc on tourne. Ouais, enfin, je sais pas, ouais, fallait rentrer dedans quand même, moi. Ok, ça fera un virage chelou. Tu sentais quand même qu'avec l'eau il y avait ça galérait. Bon, le premier est loin quand même, le premier est loin. Oh oui! Nickel. En fait, c'est bizarre, tu peux limite prévoir de. Oh, ça l'a raté! De tourner dans les airs en fait avec l'aéroglisseur, c'est. Y a toujours Concurax hein, qui est devant à croire que c'est le meilleur. Hein. Allez, viens ici. Ah là là, le boost qui a dû l'arrêter en fait. Ah, j'aurais pas dû. Reproche, 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 rage. Oh! Non, là, c'est foutu. Ça restart. Fête foraine, les prix donnent le tournis. Ah bah ouais, c'est cher. C'est con à dire. Hein. Attends, juste pour voir. Mais c'est vrai que ça fait des années que j'ai pas fait un manège de fête foraine, mais au moins 15 ans. Parce qu'à un moment, je suis désolé, quand tu vois 15 balles juste la boule, 2 euros, 2 minutes de tamponneuse ou. Ah, je sais pas, ouais, ça me ferait mal au cœur d'être parent ou grand-parent dans un truc comme ça. Moi, limite, en tant que jeune sans être parent, j'y vais, je me dis, bah au pire, soit ça m'intéresse, je paye, soit ça m'intéresse pas, je paye pas et basta. Mais je me dis, quand tu dois emmener des gosses là-dedans, que tu dois voir leur profonde envie de ça et que finalement, tu te dis, bah, t'as pas les moyens.
Mais c'est con, hein, comme je dirais toujours, les mecs, ils. Comment dire? Ils diviseraient le prix par deux, je suis sûr, ils feraient, merde, plus que doubler leur fréquentation. Donc finalement, ce serait forcément du gagnant pour eux. Parce qu'imaginons si au lieu de vendre ton ticket 2 euros, tu le vends 1 euro, et que finalement, bah, au lieu d'avoir deux personnes, t'en as trois, et ben bah, finalement, ça te fait 3 euros. Ah non, même pas, ça, vu que deux personnes, ça lui aurait fait 4 euros, quoi. Ah ouais, non, peut-être que mes calculs sont pourris, ouais. Mais bon, voilà, il y en a qui veulent faire produit de luxe et il y en a, ils veulent faire de la quantité. C'est raté. Il est magnifiquement géré cette petite course. Pas d'erreur jusque maintenant. Des petits boosts constants. Là, je dois avoir. Oh, je le regarde sur la map. Alors là, s'il me rattrape. Vas-y, au cas où il y aura un missile téléguidé, on sait jamais. Tadadadada. Yeehaw! Yeehaw! En fait, c'est ça, ça tombe le truc, il va m'ouvrir la bouche sans récolter toutes les morning et finalement, je pourrais voir la fin du jeu. En un épisode ou pas? Telle est la question, telle est la question. Tadat! Tadat! Chichichachi. Chichachichou. Ouh là là, il y a des passages avec des avions en haut là. On l'a vu. Oh le kill. Ah. Bon, ça va juste avoir un boost. Ouais, mieux le prendre, mais. Au nom de Dieu, ça fait peur! C'est les pirates fantômes, ça, c'est plus les pirates. C'est les pirates de Bob l'éponge. Ah, je les rate, c'est dingue de passer toujours comme ça au milieu. Allez, sors de mon chemin, saligo! Oh, en plus, c'est lui qui a le ballon. Ah, j'arriverai pas à le rattraper là, vas-y, autant restart tout de suite. On a fait le tour, on a découvert la course. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Sale! Bah, c'est une bonne chose, ouais, les gars. Ah non, d'un coup, j'ai levé les yeux, j'ai vu, en fait, c'était dans le métro. Je voyais des gens se faire pousser sur les rails et j'en ai vu à un moment se faire étaler du caca sur le visage. Mais t'as envie de dire, mais what? Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, enfin, après, je suis désolé de le dire. C'est pas non plus extraordinaire de se dire les fous en liberté, faudrait peut-être les interner. Oui, bah. Non, parce que oui, ça concerne les SDF. Mais ils disent ouvertement ceux avec des troubles psychiatriques, quand même. Et donc là, de ce qu'ils disent, apparemment, la police pourra embarquer n'importe quel SDF avec troubles psychiatriques. Mais c'est pas une mauvaise chose. Hein. De toute façon, pour moi, toute personne qui a des troubles psychiatriques dangereux devrait être internée, SDF ou pas SDF. Donc je vois pas la polémique, en fait. Alors, à moins que vous vouliez qu'il y ait des milliers de gens. Paumé sans ressources et facultés intellectuelles en train de se balader dans la rue, enfin, je sais pas, ça me semble logique.
Après, peut-être que pour eux aussi. Après, les Américains sont un peu tarés, hein. Faut dire ce qui est. La dernière loi que j'ai vu passer en Amérique, c'était en mode des gens. C'était une loi qui disait. Attends, c'était pas. C'était contre la pédophilie, mais en mode les gens qui influençaient les enfants et tout. Qui essayait de sexualiser les enfants ou quoi que ce soit, ça pouvait être perpétuité dès le premier crime. En gros, c'était une loi pour les pédos qui disait les pédos perpétuité directe. Et il y avait des sortes de nuances, voilà, pour faire partie des gens condamnés. Par exemple, il y avait ceux qui seraient allés expliquer une orientation sexuelle à des enfants mineurs ou des trucs comme ça. Et justement, tout de suite, c'est en mode, oh, les LGBTQ, regardez, on va pouvoir vous remettre perpète sans raison. Les queers, là, qui veulent présenter le cul à des enfants de 5 ans, qui veulent, les gars, comme nous, on fait, là, les mecs dans les écoles qui viennent dessiner, pas dessiner, qui viennent s'exposer alors qu'ils travaillent dans des cabarets, et ils sont moins maquillés et tout, comme des. Et ils viennent parler de leurs histoires de cul, je suis désolé, à un moment, non, pas avec des gosses de 5 ans. Il m'a lâché un truc au début. Ah, il lâche des mines, ok, il lâche des mines. Oh, mais ça va être chaud s'il lâche des mines comme ça, lui. Ok, les trucs comme ça. Oh là là là, ok, c'est en 3 tours. Là, c'est une vraie course. Oh, ça va être compliqué, ça. À mon avis, il faut que je me retrouve vite devant ou c'est foutu. Comme d'hab, quoi. Ah, s'il m'avait pas poussé. Il y a peut-être un meilleur endroit où le doubler. Ça prend du dégât. Ah! Je vais aller voir si ça prend du dégât. Merde, merde, merde. Voilà, start. Oh, mais. Et ça, je répète, hein, c'est aussi arrivé en France. Les gens du cabaret, là, en mode. Venez parler de mes histoires de. En plus, tu vois leur dégaine. Tu vois bien que c'est des malades dégénérés. Et je parle pas vraiment du style, mais vraiment, tu vois, quand je dis du malade, le physique de victime de quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, c'est pas quelqu'un d'équilibré. Il y a des trans qui sont équilibrés, qui sont très heureux. Il y a des homos qui sont très équilibrés, qui sont très heureux. Mais je suis désolé quand on prend les pires dégénérés et qu'on va dire c'est ça la norme. Non, à un moment, c'est pas ça la norme. Même les restes des LGBT sont choqués. Ouais, à un moment, faut se remettre en cause. Quand même la communauté est choquée. Oh, c'est raté, mais ça suit bien. Merde, j'ai. En fait, c'est d'un côté j'ai voulu esquiver, de l'autre côté j'ai voulu aller par l'autre truc, donc j'ai fait un droit de gauche, c'était foutu. Et cette fois, j'essaie même pas de l'avoir direct sur la droite, allez. Alors, on va essayer de me frapper, hein, si. Voilà, oui! Elle bouge de là, mais. C'est pas juste! Saloperie d'octopus! Je vais t'arracher tes tentacouilles! C'est quand même abusé ce qu'il te demande de gérer en fait! Tu peux pas le déplacer. Il te met des mines, faut que t'ailles chercher les missiles, faut que tu redécales et que tu passes par le seul chemin. Vas-y, juste là, non, ça passe pas. Non, j'ai raté. Et j'ai raté, voilà, bah voilà. Dada. C'est bien quand tu sais au bout de 4 secondes que t'as déjà perdu. Au moins, ça te permet de recommencer vite, hein. Trois secondes, excusez-moi. En fait, on va de mieux en mieux.
Oh là là, et la Xbox aussi, là je suis désolé, je touchais pas, je frôlais, mais je ne touchais pas. Mais c'est n'importe quoi! Oh là là, et le dépôt départ, allez, allez. Une qui est 0,80, moins d'une seconde avant de recommencer, vous avez vu? Moins d'une seconde. Oh là, le boost, je sais pas, il s'active, mais on peut dire qu'il a rien fait. On est d'accord. Bah, je crois que le PC, comme la dernière fois, il commence à chauffer, il commence à pas être content. Résolvant, résolvant, résolvant. Mais non, mais voilà, mais. Cheaté. Gros caca puant. Et bien sûr, j'ai pas le boost. Allez, c'est pas grave. On n'oublie pas qu'il y a 3 tours. Allez, on n'oublie pas qu'il y a 3 tours. C'est pas ça déjà. Ah, mais je vois rien du parcours, mon gars. Je vois rien. Les hitbox sont largement favorables avec lui. Je suis désolé, je crois le sémine, j'explose. Là, ça explose juste à côté de sa tête. Bon, on peut pas toucher. Non, non. Je leur tente, allez, vas-y, colle vraiment, colle comme ça, tu prends pas la première mine. Là, il l'a gardée jusque-là, la mine. Elle est restée collée sur lui pour moi. C'est n'importe quoi. Il est encore plus avance que tout à l'heure. Bah oui, bah ça sert à rien du coup. Le marché noir de la chirurgie esthétique au Mexique. C'est officiel, il y a des gens qui volent des organes. Oh là là, le boost qui déconne, bien sûr. Non mais là, j'ai l'impression d'aller de moins en moins vite. Il y a quelque chose là. Le jeu pousse, chauffe trop là. Il faut que. Est-ce qu'il faut pas que je fasse une pause? Je parle même pas de mes nerfs, hein, moi là, je parle vraiment de technique. Tenter d'office. C'est vrai, je peux sauter au-dessus des trucs de bois, j'avais oublié. Je peux sauter au-dessus des bouts de bois, si c'est ça. Cette touche, on va essayer ça, vas-y, rien que ça. Hop. Oh, ouais, ça voulait pas, ça voulait pas. Mais comme quoi, tout ce monnaie, quand même, c'est grave. Hein. Chirurgie, enfant, meurtre, tout ce que vous voulez, tout se négocie, c'est dingue. C'est pourquoi c'est pour Winamax. Ouais, au moins là je lui ai mis, au moins on est tous les deux dans la même merde! Je suis pas du tout en colère, hein. Je vais très bien, ça se voit, non? On va pas prendre le boost, hein. Maintenant il me faudrait un double missile, quitte à faire. Et là, tu me dis pas qu'il esquive ou j'en sais rien, hein. Là, y a pas de. Je veux pas savoir, hein.
Ok, du coup les anciennes disparaissent quand même. Ça se rattrape, ça se rattrape, ça se rattrape, ça se rattrape, ça se rattrape. Ok, normalement, là, juste on finit la course et c'est terminé. Troisième tour devant, pas de bouse que dalle, mais pas de soucis, pas de mine. Et de Dieu! Enfin tranquille! Et on va enfin savoir si ça ouvre le prochain monde. Peut-être qu'il m'en faudra 30 et c'est pour ça qu'ils me demanderont les morninges. C'est vrai que pour vous, c'est fini ce monde-là, mais pour moi, c'est peut-être encore les morninges derrière. Intéressant, petit être. Et du coup, j'ai pas gagné de pièces, rien, rien. Pour l'instant, j'ai juste battu. Donc ça, j'ai pas trouvé. Attends, ils me disent, attends, peut-être qu'ils me disent de dans quel monde il est. Allez, bon, on fait demi-tour comme ça, vas-y, on va lui rentrer dedans. Toc, 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 toc. Darkwater Beach, Enter the Door, ok. House of Shower, Rastrak, Keep Searching. Ok, donc faut vraiment que je les trouve. Ok, bah je vais sortir de mon côté, ou je vais aller voir ça, je vais aller voir déjà dans l'autre monde. Si ça a été activé aussi, ok. Parce que peut-être que j'ai oublié quelque chose. Et on s'arrêtera là. Je ferai les mornies de mon côté. Le boss probablement avec vous. Putain, je me dis, s'il m'a déjà fait rager en phase 1, en phase 2, ça va être compliqué. Et voir s'il y a un nouveau monde. Donc moi, je vais bientôt vous laisser là. Pas l'envers, même pas peur. Ta-da-da-ta-ta-ta-ta-ta. Parce que là normalement tout est débloqué à part le time break. Et du coup c'était là-dedans, c'était pas là-dedans. Oups. J'ai rien compris, non, remets-moi dessus. En fait j'ai appuyé sur A en même temps. Reviens, reviens, reviens. Alors vas-y, ouais, Hunter Trophy Race, et ça fait quoi? Ah, ok, peut-être que pour une course, là, ça va être les 4 courses à... Bah tiens, je vais en essayer une, on va voir. Est-ce que ça enchaîne les 4 courses à fait? Ça tombe, c'est ça, hein? Toute façon, normalement, celle-là, elle est pas dure à faire. Bah, quoique, maintenant, ils sont peut-être tous énervés, maintenant que c'est le trophy. Ça l'a pas touché. C'est-à-dire si t'arrives à le toucher en avion avec ça, ça faut y arriver. Oh! D'ailleurs, c'est quoi ce mur? Non. Voilà, c'est le mode hardcore à mon avis. Parce que j'ai pas fait tant d'erreurs que ça et ils sont chauds. Hein. Bâtardes! Je les rattraperai pas. Mais c'est juste vraiment voir si ça enchaîne derrière ou si c'est perte.
Oh, faut que j'arrête de le claquer tout de suite aussi. Ils sont tellement loin. Du coup, je me dis même que je vais peut-être aller voir sur internet comment ça se passe, la fin et tout. Parce que j'ai pas envie de me refaire les trois tournois non plus, ça fera beaucoup d'épisodes. Parce que le but c'était de découvrir le jeu, c'était pas de faire trois ou quatre fois le jeu en boucle quoi. Et donc c'est ça, maintenant ça fait des tournois, ok. Et basta, et ok. Ok. Et bien sur ce, moi je vais vous laisser. Comme d'hab, j'espère que vous avez kiffé. Le meilleur du monde, santé, argent, bonheur, tout ce qui fait zizir. Et si vous avez kiffé, pouce bleu, abonnement, partage, c'est ce qui fera zizir. À bientôt. Allez, ciao.